Namasté les yogis et bienvenue à un petit 20 minutes de yoga. Aujourd'hui on va être dans la douceur et dans la fluidité. Donc je vous invite à vous installer sur les genoux si cette posture est confortable pour vous. Et à doucement fermer les yeux. Et à prendre quelques belles respirations profondes ici. On inspire profondément par le nez, on crée de l'espace et on expire complètement par la bouche, on relâche, encore deux fois, une belle inspire qui crée de l'espace à l'intérieur de moi et à l'expire je relâche toutes les tensions, toutes les préoccupations. Encore une fois, j'inspire profondément par le nez. Et j'expire complètement par la bouche. Doucement, je ramène les deux mains en namasté. Je sens le contact s'établir entre les deux paumes de mes mains. Je garde la connexion avec ma respiration. J'observe chaque inspire, chaque expire. Je prends conscience de tout mon corps, des orteils jusqu'au sommet de la tête, comme si la tête était suspendue à un fil imaginaire. Les traits du visage qui se relâchent. Les épaules qui coulent vers la terre. Dans ma tête, je peux aller chercher mon Sankalpa pour la pratique, une intention, une pensée positive qu'on prononce dans le présent à l'affirmative. Bien, et toujours les yeux fermés, je vais commencer à frotter les paumes des mains l'une contre l'autre, on les frotte vigoureusement, on sent la chaleur se créer au creux des mains, et doucement on va venir diffuser cette chaleur sur nos yeux, on dépose la paume des mains sur les yeux, on prend encore une belle respiration profonde ici. Ah, et doucement, on ouvre les yeux à l'intérieur de nos mains et on relâche les mains sur les genoux. On est prêt à commencer, on inspire, on s'étire vers le ciel, on peut regarder ses pouces. Et à l'expire, on ramène les mains en namasté. On va entrecroiser les doigts des mains, on retourne les paumes des mains vers l'avant. Et j'inspire, je m'étire vers le ciel en inspirant. Et en expirant, j'arrondis, je regarde mon nombril, je pousse les paumes des mains vers l'avant. On continue à votre rythme. Sur l'inspire, je m'étire vers le ciel. Et sur l'expire, j'arrondis, je regarde mon nombril. Encore inspirez. Et expirez, arrondissez. Une dernière, on inspire, on s'étire vers le ciel. Et cette fois-ci, on regarde les mains. Et j'expire, j'ouvre les bras en cactus, je monte la poitrine. Inspirez encore ici, ouvrez le cœur. Expirez, ramenez les deux mains en namasté. On va changer le croisement entre les doigts des mains. Donc on prend le croisement plus inhabituel. Et on recommence, on inspire, on s'étire vers le ciel, on expire, on arrondit, on regarde le nombril. Et encore deux fois, j'inspire, je m'étire vers le ciel et j'expire, j'arrondis. Encore, inspirez, suivez le rythme de votre respiration. Bougez avec la respiration. Expirez ici. Inspirez de nouveau vers le ciel. Cette fois-ci, on regarde les mains, on ouvre le cœur.
On expire, on ouvre les bras en cactus. Inspirez encore ici, montez la poitrine. Expirez, ramenez les mains en namasté. Bien. Et venez déposer les deux mains sur le tapis. Venez ancrer les orteils à l'arrière du tapis. Et levez doucement les fesses vers le ciel et vers l'arrière. Pour un premier chien tête en bas, en mouvement. On bouge ici de manière animale, de manière instinctive. Vous pouvez pédaler votre chien, faites marcher votre chien, pliez un genou à la fois. On étale les doigts des mains au sol, on presse la base du pouce, de l'index. Vous pouvez vérifier que vos deux mains soient parallèles ici. Index parallèle ou majeur parallèle entre eux. Roulez les coudes vers l'intérieur, les épaules s'éloignent des oreilles. Et je peux continuer ici à respirer. Et à réveiller un petit peu tout mon corps ici dans ce chien tête en bas. Je réveille l'arrière de mes genoux. Je réveille mes bras. Je peux aller me dandiner un petit peu de gauche à droite. Étirer un petit peu les deux côtés de la taille. Bien, je vais prendre encore une belle inspire ici. Et à l'expire, je vais déposer les genoux au sol. Ramener les fesses vers les talons. Balasana. Doucement, je ramène les mains de chaque côté du corps. J'inspire, je m'étire vers le ciel, je regarde mes pouces. Et j'expire, je plonge vers mon tapis. J'inspire, je viens à quatre pattes. J'expire, je plante les orteils au sol, je viens à dos mon cas. J'inspire, je décolle les talons, je rentre le nombril, je viens dans une planche. J'expire, je reste dans ma planche. Je respire ici. Je sens mes bras qui s'activent, mon ventre qui s'active. Je me sens comme un beau morceau de bois flottant ici. Je respire. Encore une belle inspiration profonde. À l'expire, je dépose les genoux. Et je plonge poitrine, menton au sol. De là, je glisse. Et j'inspire. Bébé cobra, je vais décoller les mains du sol. Et j'expire, je redépose les mains, je redépose le front. Je repousse le sol et je reviens. Balasana, posture de l'enfant. Je ramène les deux mains de chaque côté des genoux, je déroule la colonne. Et je me rassois. Et je recommence. On inspire. On s'étire vers le ciel, on regarde les pouces. On expire, on plonge vers son tapis. J'inspire à quatre pattes. Je plante mes orteils, j'expire, ado mon corps. J'inspire, je décolle les talons, je rentre le nombril, je viens dans une planche. J'expire, je plonge, genoux, poitrine et menton. Je glisse, j'inspire, bébé cobra, je décolle les mains du sol. J'expire, je repasse par mes genoux, balasana. Les mains de chaque côté des genoux. Je déroule la colonne, j'inspire, je m'étire vers le ciel, je regarde mes pouces. J'expire, namasté. Une dernière fois, on inspire, on s'étire vers le ciel. Et on expire, on plonge vers son tapis. On inspire, on passe à quatre pattes. On plante les orteils, on expire, ado mukha. Comme une vague, on inspire, on vient dans une planche. Et j'expire, je dépose genoux, poitrine, menton au sol. Je glisse, j'inspire mon bébé cobra, je décolle les mains du sol. Et j'expire, je repousse le sol et je vais balasana, posture de l'enfant. Les mains de chaque côté des genoux, je déroule la colonne, j'inspire, je m'étire vers le ciel. Et j'expire, namasté. Super. On recommence et on rajoute des variantes. On inspire. On s'étire vers le ciel.
On expire, on plonge vers son tapis. J'inspire à quatre pattes. J'expire à dos, mon cœur. Cette fois-ci, j'inspire, je lève jambe droite vers le ciel. J'expire, je ramène genou vers le front. J'inspire ici. Et j'expire, je regarde entre les mains. Peut-être sans décoller mes mains du sol. Je dépose le pied droit, le genou gauche derrière. Et j'inspire, je m'étire vers le ciel. Anjaneyasana. J'expire, je redépose mes mains au sol. Je plante les orteils et je vais dans une... Les orteils de mon pied gauche, je vais dans une grande pyramide. Je ramène le genou au-dessus de la cheville. Les deux jambes bien fortes. J'inspire, je vais dans mon lunge. Et j'expire, les deux mains au sol. Vinyasa, inspirez en planche. Choisissez des planches à quatre ou à trois pattes. Et choisissez de descendre avec ou sans vos genoux au sol. Expirez, chaturanga. Inspirez. Le cobra ou le chien tête en haut, les genoux ne touchent pas le sol. Expirez, Adho Mukha. À gauche, inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, genoux vers le front. Les épaules au-dessus des poignets. J'inspire, je monte le genou un petit peu plus haut. Je regarde vers les mains, j'expire. Pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. J'inspire, je m'étire vers le ciel. Et j'expire les mains au sol, je plante les orteils du pied droit. Grande pyramide. J'inspire le genou gauche, je suis au-dessus de la cheville et je lève les mains vers le ciel en inspirant. Et en expirant les mains vers la terre. J'inspire en planche, à quatre, à trois pattes, j'expire chaturanga. J'inspire. Cobra ou chien tête en haut, je regarde vers le ciel, j'expire. Adho Mukha, je regarde entre mes cuisses. On recommence, on inspire, jambe droite vers le ciel. On expire, genou vers le front. On inspire ici, on expire, pied droit entre les mains, genou gauche au sol. J'inspire, je m'étire vers le ciel. Cette fois-ci, elle expire, je peux entrecroiser les doigts des mains derrière le dos. J'inspire, je roule les épaules vers l'arrière, j'ouvre le cœur. Et j'expire, je plonge, je ramène l'épaule droite vers mon genou droit, je respire ici. Si je veux un peu plus d'effort, je plante les orteils de mon pied gauche et je décolle le genou gauche. Et je respire dans mon guerrier humble, encore 3, 2 et 1. Inspirez, genou gauche au sol ou non, levez les mains vers le ciel. Et expirez, les mains au sol. Et inspirez en planche, vinyasa. Expirez votre chaturanga avec ou sans les genoux. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, Adho Mukha. À gauche, on inspire. Jambe gauche vers le ciel. On expire, genou vers le front. J'inspire de nouveau ici. Je regarde vers les mains, j'expire. Pied gauche entre les mains, genou droit au sol. J'inspire, Anjaneyasana. J'expire, j'entrecroise les doigts des mains derrière le dos. J'inspire, je roule les épaules vers l'arrière. Et j'expire, je plonge dans mon guerrier humble. Je peux garder le genou droit au sol ou si je suis chaud, je plante les orteils et je décolle mon genou. Guerrier humble, je respire ici encore 3. 2 et 1. Relâchez les mains. Inspirez les mains vers le ciel. Expirez les deux mains au sol. Vinyasa, j'inspire en planche, ma version. J'expire, je descends. J'inspire. Urdha Mukha, ou cobra. Expirez, Adho Mukha. Prenez une petite pause ici. Respirez ici dans votre chien tête en bas ou prenez une pause sur les genoux si c'est nécessaire pour vous. Bien, puis on inspire, on décolle les talons, on regarde vers les mains. On expire, on plie les genoux, on marche ou on saute vers l'avant du tapis. On inspire, on allonge le dos. On expire, on relâche la tête.
J'inspire, je mets tes mains vers le ciel, je regarde mes pouces. Et j'expire les mains, namasté. Prenez une petite pause ici, vous pouvez déposer les mains sur le cœur, fermez vos yeux. Et respirez ici. Ensemble, on va inspirer en 1, 2, 3, 4. On retient poumon plein. Et on expire 4, 3, 2, 1. De nouveau, j'inspire. 1, 2, 3, 4. Je retiens. J'expire 4, 3, 2, 1. Une dernière, inspirez. 1, 2, 3, 4, je retiens comme une pile en train de se recharger en énergie. Et j'expire 4, 3, 2, 1. Prenez la posture de Tadasana. Les deux pieds largeur des hanches. Oui, bien. Et ramenez les mains à la poitrine. Sentez le contact du sol sous vos deux pieds. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez doucement, prenez le genou à la poitrine, expirez doucement mais sûrement. Grand pas vers l'arrière. On vient dans notre lunge, on inspire les mains vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains au sol. On inspire, on voyage vers un guerrier 3 soutenu avec les mains. Et on expire peut-être, on décolle les mains du sol. Et j'inspire, je plie mon genou gauche, j'expire, je le tends. J'inspire, je plie, j'expire, je tends. J'inspire, je plie, j'expire, je tends. J'inspire, je plie et je reviens, genou vers la poitrine. Et j'expire, je relâche. Bien. De l'autre côté, inspirez, namasté, genou gauche vers la poitrine. Expirez doucement mais sûrement, grand pas vers l'arrière. J'inspire dans mon linge, les mains vers le ciel. Et j'expire les mains vers la terre. On bascule le poids vers la jambe droite, on vient dans un guerrier 3 soutenu. Expirez, peut-être plier un peu la jambe droite, ramenez les mains au cœur. Guerrier numéro 3. Avec la version des mains au cœur. Et j'inspire, je tends la jambe droite. J'expire, je plie. J'inspire, je tends. Je fais de mon mieux. Et j'expire, je plie. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. Et j'inspire, je tends. Et j'expire, je plie. Et je ramène genou gauche. Et je relâche. Bien. Secouez un petit peu tout ça. Secouez les mains, secouez les jambes. Et revenez dans votre posture de Tadasana. Ensemble, on va plier les genoux. On va aller chercher la chaise, inspirez. Et expirez, décollez vos talons. Ramenez les mains à la poitrine, essayez de garder l'équilibre ici, dans cette chaise, avec les talons hors du sol. Et doucement, venez vous accroupir. Gardez l'équilibre encore un petit peu ici, les yeux ouverts, fixez un point. Ou peut-être fermez les yeux. Bien. Yeah. Super. Et de là, doucement, on va laisser les genoux s'ouvrir. On va ramener les bras vers l'avant. On va laisser les fesses doucement descendre vers l'arrière. On peut rester s'étirer un petit peu ici. Et doucement les fesses vont aller toucher le sol. Je voyage vers ma posture du bateau, un long bateau. J'inspire, je reviens. Et j'expire, j'allonge mon bateau. J'inspire, Navasana. J'expire, j'allonge. J'inspire. J'expire. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je vais dans mon papillon. Je ramène les deux plantes de pied ensemble.